Salut à toi, routier passionné. Alors ouais, sur YouTube, je montre pas souvent ma tête parce que tu t'en fous et moi aussi. Je vais pas te dire dernière vidéo, mais presque. Je m'explique. Pendant mes vacances, au tout début, j'ai reçu un mail de YouTube m'expliquant que j'étais exclu, banni. Alors, ils te disent pas définitivement, mais c'est tout comme. De ce qu'ils appellent le programme partenaire des créateurs YouTube. Je vais faire simple, très clair, très précis. En fait, ma chaîne était monétisable et monétisée. Alors, pas de panique, je suis très clair là-dessus. Je n'ai aucun tabou, c'est mon côté californien. Je me suis fait depuis le mois d'octobre 2023 que la chaîne est monétisable jusqu'à aujourd'hui, fin août 2024, 300 balles. C'est mieux que zéro, c'est pas non plus le million. Maintenant, c'est pour ça que je te le dis tranquillement. Quand j'ai reçu le mail, j'ai commencé à creuser en me demandant qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, ils t'expliquent le mail. Je ne sais pas après comment ça fonctionne de leur côté. Notre équipe de spécialistes a analysé ta chaîne, ton contenu. Ton contenu ne respecte pas les règles communautaires. Bla, bla, bla. Je te le dis tranquillement aussi. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour te montrer, je suis là pour t'expliquer, je suis là pour te faire voir le point de vue que les routiers ont derrière le volant, en parlant de poids, de longueur, de distance, comment dire, de l'appréhension de la route qu'on a au volant d'un camion chargé. Maintenant, comme tout le monde, hein, je me lève le matin, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour rien. Comme je te le répète, 300 balles en quasiment un an. Là, ce qui m'emmerde, c'est qu'en fait, on ne t'explique rien. C'est juste tu es banni du programme. J'ai creusé parce que quand même, toujours pareil, c'est mieux 300 que 0. J'ai creusé un petit peu. Il se trouve que mon contenu, il y a beaucoup de chaînes, je vais les nommer là, leur faire de la pub parce qu'ils ont été adorables en répondant à mes questions la semaine dernière, ou faire un début de cette semaine. Tu as La Patience, il y a Cédric, il y a Dashcam Vienne qui sont sur YouTube, qui m'ont mis sur la piste de peut-être mon vocabulaire. Alors, tu peux dire toutes les insanités possibles, mais un petit fils de pute par là, un petit enculé par là et un gros connard par là, ça marche pas. Tu peux montrer un joli trou sous un string, tu peux brûler un drapeau, tu peux montrer des bastons, mais tu peux pas dire des gros mots français. Alors, je pourrais te dire, et tu pourrais me dire, ouais, mais montre-leur que, en fait, il n'y a aucune possibilité de. Comment style hein, comment dire, style de payer une amende ou tu vois, de te mettre à genoux, mais à culpa, je recommence plus. Tu fais 2-3 vidéos, voire 10 vidéos, allez, un mois de vidéos, pendant un mois, t'es pas monétisable, ils vérifient le contenu que tu as changé, ta façon de faire et tout. Non, YouTube là-dessus sont intraitables. Je peux faire appel de. Alors, ce que je vais te dire, c'est ce qui est écrit dans le process act de vraiment de YouTube, programme des créateurs YouTube. Je peux faire appel de la décision d'être banni. Je peux faire appel sous 7 jours. En faisant, et là c'est là que tu te dis ça vaut pas le coup, de toute façon, une vidéo. Faut qu'elle soit longue, ils te disent pas le temps, faut qu'elle soit longue, comme là. Parlons peu, parlons pas beaucoup. Mes couilles! Il faut qu'il y ait des sous-titres, parce qu'évidemment, il faut que ce soit en anglais. Alors, où je parle anglais, audible, compréhensible. Je vais me démerder sur la route entre un lituanien et un albanais, tu vois. Mais là, parler anglais littéraire, c'est autre chose. Donc, il me faut des sous-titres en anglais qui traduisent ce que je te dis là. Faut pas que ce soit des sous-titres générés par l'application, faut que ce soit des sous-titres que moi je fais transcrire sur ma vidéo. Ça déjà je sais pas faire. Il faut dans ma vidéo que j'explique pourquoi je fais appel. Il faut pas que je mentionne ma chaîne. Il faut que pendant 30 secondes au début, l'URL de ma chaîne soit en bandeau style breaking news. Ça à la rigueur je peux m'en débrouiller. Il faut que dans la vidéo, j'explique
comment je crée mon contenu, mon lieu de création, mon studio, tu vois, style la cabine de mon camion. Il faudrait que j'explique comment la dashcam, il faudrait que j'explique comment j'extrais les extraits et tout et tout. Si j'arrive à faire tout ça, si j'ai envie de faire tout ça surtout, je la poste, hein, mais il faut que je la poste en privé, avec la mention appel, donc pour que elle ne soit visible que par les experts, les spécialistes YouTube, qui ont 14 jours pour la traiter, m'y répondre et me dire si elle correspond à ce qu'ils attendent, ce qui normalement, je pense, ne sera jamais le cas. Et de là, je peux faire appel sous 90 jours encore et encore, ou alors tout bêtement, j'attends 90 jours. Donc 3 mois, c'est long, c'est chiant. Et je redemande, tu refais le processus de demande d'entrée dans le programme des créateurs partenaires YouTube. Sache que ça, je l'ai fait ben, en octobre de l'an dernier. Alors ça se fait, c'est pénible, c'est long. Je maîtrise à 45%, on va dire, le geek circus. Donc c'est chiant pour moi de faire ça. J'ai pas envie. Donc je te le dis clairement, je vais arrêter de poster sur YouTube pour l'instant. Je vais pas clôturer ma chaîne parce que on ne sait jamais. Alors je perds rien, ils perdent absolument rien YouTube. C'est pas la prétention, c'est juste qu'en fait, comme je te dis, ça me demande un minimum de taf, ça me demande un minimum d'implication. Mais vu que derrière t'as zéro, ça m'intéresse pas. Par contre, et là je vais me faire ma promotion. Oui, je suis en train de lézarder, de bronzer sur mon transat dans mon jardin. J'étais en vacances à la plage, on essaye de prolonger le plaisir. Et là, on attend les orages fin de semaine. Alors, tu vois, petite baignade, bronzette, et je t'explique et je te raconte ma vie. Je vais faire ma petite promotion personnelle. Tout ce que je poste sur YouTube est posté sur TikTok et ça marche très bien. Alors quand je dis ça marche très bien, calme-toi, je suis pas millionnaire, je te dis juste que ben, le contenu il plaît, comme il te plaît à toi sur ma chaîne YouTube, mais sur TikTok, alors je sais pas si c'est une question d'algorithme, si les modos sur TikTok sont beaucoup plus souples, aiment plus la vulgarité que ceux de YouTube. Est-ce que YouTube se veut super propre? Mais je te le répète, quand tu vois ce qui passe sur YouTube, je me dis que moi, mes petites insultes françaises, elles devraient passer mes crèmes. Ils ne devraient pas me casser les couilles avec ça. Je crois que même là, casser les couilles. Mais bon, comme je te dis, je pense que c'est la dernière que je vais faire d'ici un bon moment, voire de toujours. Je m'en fous. Donc si tu la vois, c'est très bien. Si tu la vois pas et que tu ne me vois plus, viens sur mon TikTok, viens sur mon Instagram. C'est pas compliqué, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Bip bip 84. Sur ce, très bonne continuation. Bon courage et bonne continuation aux collègues qui continuent de poster des dashcams. Je touche du bois, qui vous embête pas avec ça. Mais une dernière petite parenthèse là-dessus. Je pense franchement que les gens qui m'ont mis sur cette piste-là de mon vocabulaire un peu châtié ont largement raison parce que toutes les autres chaînes sur ce thème-là, bon, il y a le côté insulte, klaxon et tout, mais il n'y a pas le côté impliqué à 100%, tu sais, avec le commentaire à froid, comme je fais moi, de la narration, style reportage, avec l'insulte qui est vraiment voulue. Est placée où elle est placée, c'est volontaire. Hein. Voilà, je sais pas. Je sais pas quel détail a fait cliquer ces mecs-là sur ma chaîne. Écoute, hein, tant pis. Vraiment, hein, après, bon, ça me libérera du temps pour les autres plateformes. Maintenant, je te le répète, je t'invite à venir sur les autres plateformes. Tu auras le même contenu. Alors, il y a plus ma tête parce que c'est plus le comment dire, c'est plus l'apport journalier, tu vois, le principe des stories, tout ça. YouTube, c'était vraiment dédié à la dashcam, le camion, le travail, et voilà, vraiment le syndrome du routier malade. Écoute, prends soin de toi, bonne continuation à tout le monde, comme je l'ai déjà dit. On va arrêter, on fait comme les hommes politiques, on fait que répéter pour des discours qui durent pour rien. Bonne roulade! J'ai le spa qui refroidit là, putain.